Silence! Du silence, vous avez compris? Ne l'oubliez pas, ici, aujourd'hui, c'est une cour de justice. Si de nouveaux éclats se produisent, je vais évacuer la salle. Quant à vous, maître Villard, encore un argument de ce genre de votre part et je vous fais condamner pour outrage à la cour. Maintenant, vous pouvez poursuivre votre plaidoirie. Merci, votre honneur. Si je me suis laissé un peu emporter, voyez-vous, c'est parce que les vies de trois excellents citoyens de Kendall, les frères Shiplett, la vie de Neil, la vie de Burke et celle du jeune Tom Shiplett sont en jeu. Ils sont accusés du meurtre de deux Indiens, d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis. En fait, le meurtre n'a même pas été prouvé. Silence ! Cette salle n'est plus pour l'instant un saloon, mais une cour de justice. Vous devez laisser terminer la défense. Continuez, maître Villard. Le fait que l'on ait accepté le témoignage d'une petite menteuse indienne en ce qui concerne l'identification de l'une des victimes est une honte et une ombre jetée sur tout ce territoire. Les Blancs de l'Ouest non seulement ne peuvent pas, mais aussi ne veulent pas reconnaître le témoignage de ces Indiens qui ont massacré sauvagement nos parents. De ces Indiens qui, traîtreusement, férocement, ont rougi du sang de nos aïeux le sol de ce pays. Messieurs, il faut croire ce que vous ont dit les frères Shiplett. Les déclarer coupables serait une affreuse trahison envers les pionniers qui ont combattu et sont morts sur cette terre. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, vous ne condamnerez pas Burke ni les Tom Shiplett. Silence ! Silence ! Maître Villard, il y a de nombreuses années que je parcours cette contrée. J'ai vu des bêtes sauvages, féroces, des serpents de toutes sortes, mais je n'y ai jamais vu quelque chose d'aussi odieux que ça. Cette affaire terminée, soyez assurés que je ferai un rapport contre vous, maître Villard. Ce juge, il est pas bien de défendre ces sauvages comme ça. Monsieur le procureur, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, votre honneur. Bien, à présent, messieurs les jurés, vous connaissez les faits. Les trois accusés, Neil, Burt, mais Tom Shiplett, se sont substitués de façon absolument illégale et en usant de violence à la justice de notre pays. Cet acte a abouti au lynchage et à la mort de deux Indiens, Nahama Obi et Nituma Haït. Je vous demande de vous souvenir, avec un sentiment de culpabilité, messieurs les jurés, que chaque fois qu'un Blanc a été jugé pour le meurtre d'un Indien, il a été remis en liberté par cette cour, et ceci alors que les preuves fournies au jury étaient aussi incontestables que celles qui le furent au cours de ce procès. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, vous allez vous retirer pour délibérer afin de nous remettre un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. On peut vous le remettre tout de suite, notre verdict, votre honneur. Non coupable. Silence ! Verdict sublime. Il risque de troubler votre conscience plus tard. Acquitté. Dès lors, le bar reprend ses droits. La première tournée, c'est moi qui l'offre. La main est faite chier. Allez, venez par ici. C'est moi qui l'offre. Allez. Excusez-moi, je vous prie. Frank Madden. Je viens d'acheter la ferme Hammond et j'aimerais rencontrer l'agent immobilier. La ferme Hammond? Oui. Alors, c'est Jeb? Jeb Cantrell, je vais vous présenter. Merci. Jeb, voici Frank Madden. C'est lui qui reprend la ferme Hammond. Ah oui, c'est l'affaire qui a été traitée par la Banque d'Oklahoma. Bienvenue à Kendall, Monsieur Madden. Merci, je voudrais que l'acte soit enregistré. Mm-hmm. Vous voulez vous installer ici, Monsieur Madden? Mm-hmm. Même en ayant vu ce qui vient de se passer? Ah, je vous présente ma fille Delphine, Monsieur Madden. Lorsqu'elle voit que le monde est différent de celui que nous montrent les livres, ça la trouble beaucoup. Eh oui, c'est un fait, mademoiselle. Le monde est différent. Il n'y a pas de doute, vous serez le bienvenu à Kendall, Monsieur Madden. Delphine. On peut aller faire l'enregistrement. Ah, cette musique divine commence à me manquer sérieusement. Ah, c'est quelqu'un, notre frère, hein, Neil? On peut y aller, Monsieur Cantrell? Oh, bien sûr, Monsieur Madden. Mon bureau est juste là. Pourquoi êtes-vous donc si pressé, Monsieur Madden? Il me semble que vous devriez déjà vous sentir chez vous. N'écoutez pas. Merci d'avoir attendu, Charlie. J'étais sûr qu'après ce verdict, vous voudriez me voir. Ils font la fête. Nous sommes dans la peine. Nous souffrons et pleurons en silence.
Cela amènera des troubles cette nuit. S'il y a pleurs d'un côté et fêtes de l'autre. Parle aux jeunes, s'il te plaît, Charlie. Je ne veux pas qu'il y ait de troubles. Oui, je leur parlerai. Mais je crois que les jeunes de notre tribu fermeront leurs oreilles et ne m'écouteront pas. Je me sentirai plus à mon aise. Créons ce juge, quel savon il vous a passé. Un grand frère, il n'y a pas droit. Si, si, voilà, Neil, voilà. Neil, remets la vite au chaud, elle est gelée. Eh, hey, dis donc, faut leur payer un petit coup à cette demoiselle. Tu es encore en train de te saouler. Oh non, Laura. Et ensuite, tu iras voir tes indiennes, comme d'habitude. Ben, de quoi est-ce que tu parles? On ne fait que célébrer notre victoire, hein, Tom? C'est vrai, Nora. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas, c'est idiot. Une victoire, ça se fête, non? C'est bête de venir me chercher Noise pour un verre de whisky. J'ai bien failli trinquer. Et... J'ai failli trinquer, ça c'est drôle, Tom. Et à présent, je vais retrinquer. Je veux que tu laisses cette fille tranquille, Bert. Cette fille est plaisante, tu sais, Neil. Bon, je vais t'obéir encore une fois. Je suis ton petit frère, Neil. On boit beaucoup, mais ils sont là. Remets-nous ça. Nom et prénom, je vous prie. Madden Frank. Âge et adresse de votre domicile fixe. 32 ans, comté de Pike, Kansas. Race. Blanche. Vous n'avez pas d'autres propriétés sur ce territoire? Non. C'est la première chose que je possède. Signez au bas de la feuille, je vous prie. Lisiblement. Je crains de ne pas pouvoir vous remettre la copie de l'enregistrement avant 2 semaines, monsieur et madame. Je repasserai. Attendez, les nouveaux colons doivent être accueillis comme il faut. Alors, que penseriez-vous de venir souper avec nous ce soir à 8h? Eh bien, je ne voudrais pas que ça vous attire des reproches. Des reproches? Je ne suis pas insociable, monsieur Madden. Si on ne faisait pas ça, on manquerait à notre devoir. Enfin, je veux dire, ça me ferait un grand plaisir. Je regrette pour tout à l'heure. Venez. C'est la maison jaune au bout de la rue. Venez sans faute. D'accord. Je vous remercie. C'est en ordre? Oui. Jeb vous a parlé des terres qui bordent la ferme Hammond? Non. C'est au frère Shipley, ces terres. À eux trois. A priori, je n'ai rien contre des voisins, tant qu'ils ne me font pas d'embêtement. Il est encore temps de renoncer. Je veux une terre à moi, une bonne terre où je ferai de l'élevage. Une bonne terre? Écoutez donc un peu les Indiens en parler. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et venez, je vous paie un verre. Venez. Un whisky. Et un whisky pour monsieur Madden. J'ignorais que vous payiez aussi facilement un verre. Il y a des tas de choses que vous ignorez. Mais c'est comme ça, je te l'avais bien dit, Tom. T'as tort de te mesurer aux hommes de loi. Moi, je n'ai absolument peur de personne ici. Et je serais ravi qu'on me donne l'occasion de le prouver. Ne t'excite pas, Tom. Tu ne comprends pas? Ça doit le vexer, notre shérif, de voir que notre procès n'a pas eu le résultat qu'il espérait. Avouez-le donc, Jim. Il y a pas mal de choses qui vous échappent, vous aussi. Il y a au moins une chose qui ne nous échappe pas, en tout cas. On voit tout de suite que vous enfoncez les blancs quand il s'agit de défendre une bande de braconniers indiens. Je suis contre tout acte qui viole la loi, n'importe quel, qu'il s'agisse de simple braconnage ou de meurtre. Vous n'accusez personne de meurtre, monsieur Dixon. Ma tâche consiste uniquement à arrêter les coupables. Je n'ai pas à les juger. Il y a ici plusieurs membres du jury.
Trouvez-vous qu'ils ont mal jugé par hasard? C'est à eux uniquement d'en décider, pas à moi. Eh bien, ils ont décidé. Ils ont jugé que chaque fois qu'un Indien vient braconner sur nos terres, nous avons le droit de nous défendre et de protéger notre propriété. En fait, c'est une obligation. Je n'ai pas raison? Et quelle est votre opinion? Eh bien, je le pense. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous pensez, monsieur? Je veux dire, de quel côté est-ce que vous êtes? Que le braconnage, c'est une violation de la loi. Mais il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que de savoir soigner un cheval ou bien un bœuf. Moi, je ne m'intéresse qu'à ce qui concerne l'élevage, c'est tout. Et merci pour le verre. Plein développement, la civilisation s'approche à grands pas. Et sous peu, j'espère, la ligne de chemin de fer viendra jusqu'à Kendall. Vous avez eu raison de choisir Kendall, monsieur Madden. Je l'espère. Je le pars trop fort en hiver, la pluie ne se fait pas prier. Il y a de quoi se dégourdir les jambes, c'est suffisamment grand. C'est ce que je désire. Si cela vous convient, je vous conduirai à la ferme Hammond demain matin, monsieur Madden. On pourrait commencer à l'appeler la ferme Madden. Ça m'aiderait à me sentir en sécurité. Voilà votre sécurité, monsieur Madden. Écoutez les chipelets en train de célébrer leur victoire de ce matin. Est-ce que ça vous plairait de voir comment les gens s'amusent à Kendall? Bienvenue à tous! Venez! Il y a une partie de chasse dans la ville indienne! Pourquoi permettons à ces bandits de faire cela? Pourquoi? C'est nous qui avons pris la terre aux Indiens. Vous vous sentez coupable, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est un sentiment de honte que j'éprouve. On dirait que personne ne s'intéresse à ce qui se passe. Les gens prétendent ne pas être au courant de tout ça. Si, si. Je me sens coupable en réalité. Et je souhaite ardemment que quelqu'un s'oppose à eux. Une personne qui ressentirait les choses comme je les ressens. Vous êtes très exigeante, je vois. Oh, vous êtes étranger à cette ville, monsieur Madden. Il se peut que je me fasse des illusions, bien sûr. Et j'espère, je rêve bien des fois qu'un homme courageux viendra leur ouvrir les yeux. Oui, quelqu'un qui ferait enfin quelque chose. Vous vous tracassez beaucoup pour ces Indiens. Pourquoi? L'une des victimes des Chipley était un compagnon de jeu de mon enfance, voyez-vous. Je m'amusais aussi avec les autres, j'allais jouer chez eux. On ne fait aucune différence lorsqu'on est enfant. Indien ou non, on s'amuse, après c'est tout. Alors, pourquoi devrait-on faire une différence en devenant adulte? Ils sont toujours nos amis, et devoir traiter ainsi ses amis, cela fait souffrir. C'est presque comme si on vous faisait souffrir, vous. Thank you.
Ferme ton fils. Il va bientôt faire nuit. Ce soir, nous devons garder nos enfants à la maison. Ce n'est pas la peine de prendre des risques. Payne. Je ne te veux pas de mal, Payne. Je voudrais te parler un moment. Oh, Tom, rentrons à la maison. Ça va comme ça pour ce soir. Où est Bert? Écoute, je ne tiens pas à rester là toute la nuit. Ouvre-moi maintenant, sinon je... Tu as tort, tu sais de refuser de m'ouvrir. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Allez-vous-en. Ne m'approchez pas. Quand je te vois marcher en ville, j'ai une folle envie de toi. Je ne serai pas un ingrat, tu sais. Non. Mais tu ne comprends pas ce gros imbécile que j'ai envie de toi. Non, non. Je doutais que je te trouverais là. Tu as oublié que notre père et notre mère ont été massacrés par les Indiens. Il faut que tu ramasses cette pourriture indienne. Je ne suis pas de la pourriture. Je ne faisais rien de mal, tu sais, Neil. Je lui faisais un peu la cour, c'est tout. C'est tout. Alors ça suffit, rentre à la maison. Viens, toi aussi. Je t'en prie. Tu dois la laisser tranquille. Qui me le reprocherait? C'est la vie. Et puis, Laura, qu'est-ce que ça lui fera? Sors de ce trou, Bert. Et tâche de ne plus remettre les pieds chez cette ordure de Squaw. Thank you.
Nous y voilà. La ferme Madden. Votre maison est là, un peu plus bas. Il faut qu'un homme puisse se fixer quelque part, où il est bien chez lui. J'ai l'impression que quelqu'un laisse ses bêtes paître sur ma terre. C'est vrai, monsieur Madden. Ces bêtes appartiennent au Chipley. Les terres m'appartiennent jusqu'où ? Au sud, vous avez jusqu'au marais. À l'ouest, jusqu'à la rivière. Au nord, ça va jusqu'au pied de la montagne. À l'est, vos limites se trouvent à 100 pas environ après l'arbre à pendre. Voilà. L'arbre à pendre ? C'est sur vos terres que les Indiens sont souvent lynchés. D'abord, ils les pendent et ensuite ils leur tirent dessus. Tout ça ne me concerne pas. L'une de leurs victimes indiennes était une jeune fille. Elle s'appelait Nituna. Je la connaissais très bien. Elle venait juste d'épouser un jeune homme qui s'appelle Tokala. Celui-ci a disparu et personne ne sait où il est. Je n'arrête pas de me demander ce que fera Tokala lorsqu'il reviendra. Qui peut imaginer ce que fera un Indien ? Ces malheureux Indiens. Jamais ils ne sont venus sur la terre des Chipley, d'ailleurs. Juste sur les terres dont les Chipley se sont emparés pour leur propre usage. Vous discourez comme si tout cela me concernait. Comme si je leur devais quelque chose parce qu'on les a pendus sur mes terres. Vous cherchez à m'entraîner à quoi ? Oh, j'avais l'espoir que vous m'aideriez après avoir vu. Pourquoi ? À quoi est-ce que ça m'avancerait ? Je suis désolé. Je suis désolé. Sans le voir, j'achète de confiance un rente chez la banque et voilà le résultat. Oh, mettez des rideaux aux fenêtres, plantez des fleurs là-devant et ça ira. Je planterai d'abord des clous, ça sera plus utile. Il me faudra rafistoler tout ça. C'est faisable, bien sûr. Bonjour. Salut, Madeleine. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, n'hésitez pas à venir nous voir. Quelque service que ce soit. Oh, les frères Chipley ne refusent jamais de rendre service à un bon voisin. C'est du bétail à vous qu'on voit là-bas ? Ah, oui, c'est vrai. Ces bêtes sont sur mes terres. Oh, ces fichues bestioles se sauvent toujours. Il va falloir les ramener au bercail un de ces jours. Ramenez-les tout de suite. Pas un de ces jours. Dès demain, la partie nord de cette terre sera clôturée. Bien dit qu'il fallait acheter cette fichue terre. C'était tout aussi bien de s'en servir sans avoir à payer. Mais de toute façon, une clôture, c'est pas difficile à arracher, tu sais. Ce que j'ai en stock comme barbelé, si vous en voulez plus, faut que j'en recommande. Recommandez-en autant. Vous avez l'air rudement impatient de clôturer vos terres. Une bonne clôture, monsieur Krill, ça fait de bons voisins. C'est fort juste. Kilini. Donne donc un petit coup de main, monsieur Madden.
l'air pressé de se mettre à l'abri, le madame. Ce qui lui ferait du bien, c'est une bonne leçon. C'est vrai. Car franchement, faut être vraiment cinglé pour aider un Indien de cette façon. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez remarqué comme il l'a bousculé? C'était involontaire. Il aurait dû au moins s'excuser, alors. Il fallait au moins lui en laisser le temps. C'est du côté des Indiens que vous êtes, donc, monsieur Madden? Je ne suis du côté de personne. Eh bien, vous nous décevez, monsieur Madden. Ce n'est pas bien, ça. Les défenseurs d'Indiens, nous, on n'aime pas ça. Porter plainte. Allez-y. Mais qu'un jury accepte de les reconnaître coupables, ça me surprendrait fort. Ils ont frappé sec. Et par surprise, bien sûr. Petite ville, grande surprise. Ils ne sont pas drôles, hein? J'aimerais trouver quelqu'un qui m'aide à charger ça. Je vais clôturer ma propriété. Et venez, on a besoin d'un coup de main. Venez-vous faire? J'ai apporté quelque chose. Je m'appelle Tahini. Je vous ai apporté un médicament. Nous l'utilisons très fréquemment pour nous soigner. Ça vous soulagera. Fichez-moi la paix. Je n'ai rien à faire de vos saloperies. Ne vous fâchez pas. Je vous en prie, monsieur Madden. Je vous ai vu vous battre hier soir pour défendre Killeni. Si je me suis ainsi battu, c'est parce que j'y ai été forcé. Killeni est mon frère. Je tenais à vous remercier. C'est réconfortant de constater que l'on a des amis pour nous protéger, vous voyez. C'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Que dites-vous? Il n'y a pas que Killeni qui ait besoin d'amis, monsieur Madden. J'en ai besoin, moi aussi. Mais je ne vois pas que ça m'oblige à défendre ou à protéger tout le monde. Elle est venue faire quoi ici? Me voir. Pour ce crime, vous allez la pendre? Les Indiens ne sont pas les seuls à se faire pendre, Madden. Allez, fichez-moi le camp de là. J'ai du travail à faire. La corde rougira ton cou, Madden, si je la retrouve chez toi. Ça suffit, Bert. Et toi, l'Indienne, tu le paieras cher si je te retrouve en train de tourner comme ça autour d'un homme blanc. Fiche-moi le camp de là. Pourquoi tu fais ça? Tu es contre? Ce n'est pas bien, Neil. Tu n'avais pas à la frapper. Remets-toi en selle. Transporte les pieux sur place, ils pourront finir avant ce soir.
Hé là ! Où emmenez-vous mon cheval ? Je vous demande où vous emmenez mon cheval. C'est ainsi que Nuala accueille son grand-père ? Je me nomme Frank Madden. Et moi, je suis ton grand-père. Et je voulais juste aller faire boire ton cheval. Je pense qu'on sera plus tranquille à l'intérieur pour discuter. Eh bien, tu me suis ? Non. Nous parlerons ici, pas sous le toit d'un blanc. Tu dois parler où tu te trouves, comme un indien. Je ne suis plus indien aujourd'hui. Oh, si, tu l'es. Ton père était un homme blanc, c'est vrai. Mais ce père, l'as-tu connu ? Ce père, t'a-t-il élevé ? Non. Il a abandonné ma fille avant que son enfant soit né. Il savait que tu serais tout d'abord indien. Laisse-moi, j'ai envie d'être un peu seul. Yola, ne t'obstine pas, c'est mal de renier ton peuple. Quel peuple ? Je suis aussi à moitié blanc. En es-tu fier, mon fils ? Rien qu'à voir ce visage tuméfié, on devine quel est ton sang. Ne me mets pas en colère, Matara. J'ai marché, chevauché, courant partout après mon petit-fils. Bien que cela soit long, suivre sa trace est facile. Il se mêle aux hommes blancs, il est aussi insouciant que cet homme qui abandonna ma fille. Sais-tu pourquoi je suis parti ? Je voulais ça. Une terre bien à moi. Tu sais que les Indiens n'ont droit à rien. Les Blancs se réservent les meilleures terres et nous abandonnent seulement le désert et les rochers de la montagne. C'est ce qui a tué ma mère et ce qui m'a obligé à crever de faim dans une réserve. Mais au milieu de ton... Oui, mais sans jamais pouvoir rien posséder. Sais-tu comment je l'ai eue, cette terre ? Ce que j'ai dû faire pour l'acheter ? Je me suis crevé à conduire du bétail, surmené à poser des rails. J'ai joué mes payes pour avoir plus. Ça représente beaucoup de sueur. La faim m'a tenaillé bien des fois, mais maintenant, ça y est. Cette terre est bien à moi. Jamais je n'en délogerai. Mais ils te pendront, tu verras. À Kendall, ils t'ont frappé. Je les ai vus. Ils t'ont frappé durement. Tu le vois bien, tu es un indien, Nuala. Je ne suis plus Nuala, je suis Madden, Frank Madden, et tout le monde le croit. Tu as tort d'avoir confiance. Ils te tueront pour voler ta terre. Si je ne suis pas démasqué, je ne crains rien. Si ce n'est toi, ce sera un autre. Tu devras assister, peut-être même participer au meurtre d'un de tes frères. Fiche-moi le camp d'ici. Tu commences à trouver que tes parents t'embarrassent. J'aimerais seulement qu'on ne te voie pas dans les parages, tu ne le comprends pas. C'est dur d'essayer de se défaire de sa peau et de se renier soi-même. Repousse le mensonge. Non ! Alors débarrasse-toi de moi en m'offrant un whisky. Une verroterie. Un colifichet quelconque. C'est ce que les Blancs nous offrent pour avoir la paix. Tu as pris soin de moi lorsque j'étais enfant. Je suis vraiment navré d'avoir à faire ça, mais je ne peux te garder avec moi. Je suis bien vieux. Il n'y a de place pour moi nulle part. Ça suffit ! Je n'ai plus que toi au monde, Nuala. Garde-moi. Je serai ton domestique. Qui pourra soupçonner que je suis ton grand-père ? Tous les Blancs se paient un serviteur indien pour cuisiner, faire le ménage. Couper du bois, monsieur Madden. Tu n'es qu'un vieil indien stupide, grand-père. Je t'ai dit de jeter ton arme. À présent, les mains en l'air. Tibet, c'est toi, Kala, qui te met en joue. Et je vais te tuer comme tu as tué ma femme. Je ne suis pas Chiplet. Qui es-tu ? Frank Madden. Ici, ce sont mes terres. Vos terres ? Ce sont les Chiplets qui utilisent ces terres. Ils ne les utiliseront plus, je vous l'assure. Cette terre m'appartient. Vous mentez. Ah !
Allez, debout. Si tu veux me tuer, vas-y, pourquoi me relever? Ça ne t'apportera aucune gloire. Je suis seulement un indien. J'ai dit debout. Qu'est-ce que tu attends? Il est juste que tu m'abattes là, sous cet arbre où ma femme fut lynchée. Je ne connais pas. Je ne t'ai jamais vu et je souhaite ne jamais te revoir. Alors sauve-toi aussi loin que tu peux et ne reviens jamais. C'est à croire que ce type s'est mis en tête de clôturer le territoire en entier. C'est stupide d'acheter tout ça quand il suffit d'un petit rouleau pour mettre autour d'une tombe. Tout ce que j'aime, monsieur Madeleine. Ça ira comme ça pour le moment. Qu'est-ce que vous diriez de prendre un verre avec moi? D'accord. À en croire qu'il est né, il paraît que vous auriez pris un vieil indien au ranch. Exact. Il fait la cuisine pour moi. Alors surveillez-le. Oh, c'est pas que j'ai quelque chose contre les indiens. Moi, je les aime. Ce qui me repousse un petit peu, c'est leur saleté. Je vous suis plus, monsieur Madeleine. Et vous courez trop vite. Alors, personne ne fait rien contre ce madame, on dirait. Il va se croire tout permis. Il est regrettable que Neil et Burt ne soient pas dans le coin. Ça veut dire quoi? Que ce gars me fait peur? C'est ça que tu veux dire? Oh, t'emballe pas, Tom, tout ce que je disais. C'est simplement que si... si tes frères se trouvaient dans le coin... Deux whisky. Qu'est-ce que c'est que ce relent de poisson pourri, tout d'un coup? Ce parfum d'ordure est entré en même temps que M. Krill. C'est un vrai sauvage quand il est sous comme ça. Sûrement le pire salaud de toute l'équipe. On ferait mieux de s'en aller. Qui est-ce qui a amené cette sale odeur de pourri ici? Tom, voyons, tu as bu. De quoi tu te mêles? Est-ce que ce froussard n'a rien dans les tripes qu'il n'ose pas répondre lui-même? Vous me barrez le passage. Alors fais le tour si t'as vraiment envie de sortir. Je n'ai aucune envie de te faire mal aux dents, genou. Ah, ça va, tu vas le payer. Madden, retourne-toi, Madden. Est-ce que tu m'entends? Je t'ai dit de te retourner. T'entends? Retourne-toi! Retourne-toi, Madden! Madden! Monsieur Madden! Monsieur Madden! Entrez chez nous. Oh, il s'en avait fallu de rien qu'il ne vous tue. Vous croyez? Il l'aurait fait s'il n'y avait eu personne dehors. Que s'est-il passé? Je l'ai frappé. Oh, j'ai affreusement eu peur, j'en tremble. C'est arrivé juste comme je revenais de chez vous. Vous veniez me voir? Et pourquoi? L'acte de transfert de votre propriété est arrivé. Je vous l'apportais car il faut votre signature. Qui vous a appris que j'étais en ville? Le vieil indien. J'ignorais que vous aviez un autre indien avec vous. Mais il travaille pour moi. Je ne connais personne qui prendrait un indien sous son toit. Pourquoi? C'est de la main-d'œuvre bon marché? Ou dois-je signer? La dernière page, juste en bas. Pourquoi parler d'une certaine façon et agir d'une autre? Quoi? Vos sentiments vous font peur, on dirait. Vous n'aviez eu peur de rien tout à l'heure. Il faut peut-être que vous cachiez vos sentiments à d'autres personnes. Pas à moi.
Cette dureté, je n'y crois pas. Je suis au courant de pas mal de choses, Monsieur Madden. J'ai interrogé votre domestique et ce vieil homme a dit que vous étiez fort gentil. Voilà. Quelqu'un est venu. Une jeune dame. Elle t'a retrouvé? Oui, elle m'a retrouvé. Elle a demandé... Je sais. Je croyais que tous les Blancs étaient tes frères. Je ne comprends plus. Quoi? Killeny m'a tout dit. Tu t'es battu aujourd'hui avec un Blanc. Tu l'as frappé. Alors, quel est ton peuple? Celui auquel tu appartiens? Parle. Qui sont tes frères? Je le lui ai dit après, d'ailleurs. Et s'il recommence, je le tue. Je t'ai apporté une médaille. C'est un cadeau de valeur. Regarde, c'est une pièce rare. Regarde. Cet objet appartient à votre femme. Je t'offrirai n'importe quoi. Tout ce que tu aimerais avoir, je te le paierai, Tahini. Il faut que tu me pardonnes pour Neil. Je ne suis pas une bête. Pourquoi je te déplais? Une bête même serait plus douce. C'est toi qui me forces à être brutale. Tu n'as pas revu ce Madden? Ça, ce sont mes affaires. Je le tuerai s'il vient tourner autour de toi. Aide-moi, Tahini. Il faut que tu m'aides. Je suis coincé entre ma femme et Neil. Ça paraît bizarre que je sois amoureux d'une squaw. Que je puisse t'aimer. Je t'en prie, Tahini. Il y avait quelqu'un ici, n'est-ce pas? C'était sûrement ce Frank Madden. C'est lui, hein, qui se trouvait ici. Non! Lâchez-moi, je vous en prie! Tu es Madden, je le jure bien. Qui dit ça? Quoi? Les mains en l'air devant un indien? T'es cinglé! Sais-tu qui je suis, Chiplet? Pour les devinettes, c'est pas du tout mon fort. Ton ami Tokala. Tokala? Tu es le meurtrier de ma femme. Non, ça, c'est faux. C'est Neil qui a fait ça. Bert et Neil, oui. Moi, je les ai pas aidés. Trois Chiplets ont participé au meurtre. Non, c'était Bert et Neil! Il faut absolument que tu me croies, ils étaient seuls pour faire ça. C'étaient mes deux frères. Bert et Neil l'ont tué. Bert et Neil! Ah.
que tu te retourneras, on va t'abattre comme un chien. J'ai envie de tuer ce type dans le dos, comme il l'a fait pour Tom. Retourne-toi, Madden. Ça suffit. Je n'apprécie pas du tout vos manières. Jetez vos armes. Il a tué Tom. Quoi? Lâchement, il lui a tiré dans le dos. C'est un mensonge. Viens par là, on en discutera. Laisse ça tranquille. Tu dois ramasser ses armes. La justice s'en occupera. Les Chiplets n'ont pas à jouer les justiciers. Nous avons d'ailleurs encore un petit compte à régler. Évidemment, le moment n'est pas encore venu, mais je suis patient. Déguerpissez de là. C'est un sursis que tu as là, Madeleine. Avant longtemps, on t'aura. Venez avec moi, Madeleine. Ils sont cinglés, Dixon. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Jusqu'à ce que je découvre ce qui s'est passé, c'est en prison que vous serez le plus en sécurité. Venez. Et une balle tirée dans le dos, lâchement, sans même lui laisser une petite chance. Un innocent, un gamin d'à peine 20 ans. J'aurais dû abattre ce salaud dans la rue, shérif ou pas shérif. Armez-moi un verre. Armez-moi. Je crois qu'il faudrait pas vous emballer. Il y a personne qui a vu Madden le tuer. Tu connais quelqu'un d'autre qui aurait pu tuer mon frère? Un gamin que tout le monde aimait, qui se serait dépouillé de sa chemise pour l'offrir à n'importe qui. C'est pas vrai, ça? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tom n'était pas rare. C'était tout le contraire. Madden s'en était pris à lui hier, ça tu le sais. Il a insulté Tom et après il lui a tapé dessus, c'est ça? Il a menacé Tom, hein? Et comme pour se moquer de nous, il s'envoie Tahini, cette putain d'indienne. C'est juste, c'est juste. Mais il a engagé un serviteur indien en plus. Ouais, avec notre argent, il se paie des indiens et puis il nous tire dans le dos. C'est pire qu'un chien. Je ferais payer son crime, moi, à ta place. Ah, descendre un jeune gars aussi gentil. C'est lui qui me demandait qu'à vivre. Dixon. Dixon. Vous entendez ce qui se trame là-bas? Si je reste bouclé là, ils vont me lyncher. Je dois absolument sortir. Est-ce que vous croyez que vous iriez loin? Je n'en sais rien. Écoutez, madame. Tom Shipley est mort et son corps a bien été retrouvé sur vos terres. Qu'on l'ait trouvé là, c'est une chose. Mais en quoi ça m'accuse? Il n'y a rien à faire tant qu'on n'aura pas ramené son corps. Et pour demander un peu de renfort d'Aquetteville, j'y envoie mon suppléant. Que va-t-il se passer si vos renforts n'arrivent pas à temps? Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudrait pas que le procès tarde trop. Il faut punir ce type sévèrement. Vous entendez ça? Faire confiance au juge, voilà ce qu'il veut dire. Il pense, ce juge qui adore tant les Indiens. C'est sûr qu'il ne fera rien contre un homme qui prend leur défense. Messieurs du jury, vous ne pouvez pendre cet homme-là qui donne de quoi manger aux Indiens, qui est leur vraie nourrice blanche. La justice est toujours aveugle, c'est pour ça. Il y a un moyen bien simple pour lui rendre la vue, lui faire voir qu'on peut se passer d'elle. Une petite corde et un long voyage. Ah, il sent à l'abri en prison. Il n'y a qu'à faire sauter la porte. Ouais. Allez, faut faire sauter la porte. Ça ne nous concerne pas. Ne t'en mêle pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce Frank Madden. On l'a mis en prison. Et tous ces idiots sont là, comme une bande de vautours. En prison, pourquoi? Pour le meurtre de Tom Shipley, il paraît. Et tous ces idiots, ces piges jacassantes du pays, se saoulent en compagnie des deux frères Shipley. S'ils s'échauffent comme ça, il faut bien... Delphine! Delphine! C'est un homme droit. Il ne peut avoir tué Tom Shipley. Vous en êtes sûr? Je connais Frank Madden. Vous savez où il était la nuit dernière? Non. Vous avez de l'affection pour lui, c'est ça? Oui. J'en ai aussi, Delphine. J'en ai aussi. Ils ont des sentiments différents, eux. C'est ça qui est terrible, ces sentiments qui s'opposent. Bon, mauvais, et en même temps. Et toujours à fleur de peau. Mais cela finira très mal. Il y a plein de monde dans la rue. Et les Chiplets sont en train de se saouler. Alors,
Relâchez, Franck. Libérez-le tout de suite. Désolé. La loi a ses exigences. Mais c'est elle qui commande avant tout. Vous aimeriez le voir? Bien sûr. J'ai entendu les gens se rassembler dehors. Une foule, ça fait un curieux bruit, comme une sorte de grondement lointain, puis qui se rapproche. Les Chiplets vous menacent. Ils sont en train de monter les gens, les saoulant. Il ne faut pas rester là. Venez, ça peut être dangereux. Sortez. Non. Écoutez, une foule, c'est toujours terriblement bête. Je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je vais vous dire quelque chose d'important. Vous me le direz plus tard. C'est impossible d'attendre. C'est à présent qu'il faut le dire. À présent, car j'ai affreusement peur qu'il nous arrive quelque chose. Dixon, faites-la sortir d'ici. Écoutez-moi, je vous en prie. Je veux que vous... Amène-le, qu'on lui passe sa bête. Alors, la justice, c'est nous. Oui. Amène-le. Vraiment envie qu'on fiche le feu à ta baraque? Ouais, ouais, allez, personne ne brûlera qui que ce soit, je vous le jure. Très bien. Alors livrez-nous Madden et il n'y aura plus de vacarme. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Je tiens Madden en prison ainsi que la loi m'y oblige. Et je tiens à ce qu'il soit jugé équitablement. Faites-le, on va aller le prendre de force. Il a tué mon frère. Si tu oses avancer d'un pas, je te brûle la cervelle. Rentrez chez vous maintenant. Laissez la cour juger Madden en toute connaissance de cause. On a suffisamment tergiversé, shérif. Tenez, le voilà, notre verdict. Allez, au fond. Allez chercher Madden, allez. Allez, entrez, et ramenez ce salaud ici. Restez là. Concentrez, je vous le promets. Laissez-lui une petite chance de s'en tirer, une petite chance. Il en a laissé une à Tom. On le tient, malin. Passez-lui la corde au fond. Tenez-le bien. Lâchez-le. C'est idiot, je n'ai tué personne. Je ne suis pas un assassin. Alors où étais-tu la nuit dernière, hein? Dans mon ranch. Trouve-le. Ce n'est pas moi, je vous jure, je ne l'ai pas tué. Menteur. Mais passez-moi cette fois. Non. Non. Mais serrez fort. Je viens d'arriver ici. Pourquoi je me serais tiré des ennuis en tuant votre frère? Donnez-lui une Bible et je parie qu'il va jurer dessus qu'il est aussi innocent qu'un mouton. C'est toujours en voyant l'arbre qu'il crie leur innocence. Il va pouvoir dormir, l'innocent. Mais dans un trou de la taille d'un homme. Bert! Delphine, rentre à la maison. Ça devient dangereux. Laissez-nous en paix. Pourquoi faire? L'assassiner? Lâchement sans même le juger? Vous êtes la basse pègre et non la justice. Des ivrognes, des cinglés. Personne ne vous a jamais donné le droit de rendre la justice. Jamais ce n'a été la justice qui vous a conduit. C'est la haine. La haine. Qui a donné à Madden le droit de tuer Tom Shipley? Il a vu tuer Tom. Quel témoin l'affirme? On a des preuves? Laissez à la justice le soin de les découvrir. Messieurs, écoutez-moi, je vous en prie. Vous n'allez pas pendre un innocent. Cette fille l'aime, messieurs, c'est ça. Oui, je l'aime, du fond du cœur. Mais la culpabilité est-elle liée au fait qu'une femme aime un homme? Et en quoi ça prouve son innocence? Emmenons-le d'ici, allez. Vous vous trompez de meurtrier. Madden est innocent, j'en ai la preuve. Et c'est une bonne preuve, monsieur Shipley. Elle vous convaincra, cette preuve-là. Ça ne te concerne en rien. Si tu veux un conseil, tu ferais mieux de te taire. Vas-y, quelle preuve est-ce que tu as? Pourquoi n'est-il pas pu tuer Tom? Eh bien, parce que Frank se trouvait avec moi la nuit dernière. Toute la nuit? Toute la nuit. Libérez-le, allez. J'ai dit libérez-le. Rentrez chez vous à présent. Allons, rentrez. Bert,
Bert! Prends ton cheval et rejoins-moi à la sortie de la ville. Delphine. Voir Delphine. Pas tout de suite, madame. Mais plus tard, d'accord. Ah, ce serait trop tard. Pourquoi avez-vous fui? Parce que vous croyez ce qu'a dit Tiny? Je vous en prie, je ne veux pas que nous parlions de ça. Vous êtes en vie et c'est pour moi un très grand soulagement. Vous en avez dit beaucoup plus tout à l'heure. Oh, c'est sans importance. Qu'un homme s'échappe des griffes d'une bande de types sous, il n'y a que cela, croyez-moi, qui importe. J'ai si souvent réclamé la justice et le respect des principes, je dois m'en réjouir. Tout ça, ce n'est pas une réponse. Franck, je vous en supplie, j'essaie de haïr personne. Tiny a menti. Je ne voudrais haïr personne. Vous n'entendez donc pas ce que je dis? Tiny a menti. Ah oui? Et ce mensonge, pourtant, tout le monde l'a cru. Et vous le croyez aussi? Oui. C'est très décevant de vous entendre. C'est vrai. Je suis comme les autres. Moi aussi, je ressens la jalousie, la honte, et puis la haine. J'ai toutes ces grandes faiblesses de mon sexe. Et tous les principes du monde. Mais elle a menti. Ce qu'elle a dit est faux. Ça a été si dur à supporter. Dire que j'étais là à crier à tout le monde, que j'étais amoureuse de vous, sans doute. Oh, si n'importe quelle autre femme d'ici avait fait ça, je ne me serais pas sentie si abaissée, si humiliée. Mais cette con... C'est réellement ce que vous pensez, Delphine. Sortez d'ici! Sortez! Je sais à présent à quelle race j'appartiens. Dès que j'ai appris, fils, je suis venu. Avec ça. Je n'en ai plus besoin à présent. Ce n'est pas toi qui devais t'en servir, mais bien moi. Killeni m'a raconté. Ce fut courageux ce qu'a fait Tiny. Oui, elle a été brave. Toujours nous l'avons été. Mon peuple a toujours été ainsi, sans aucune peur. Brave. Qu'auriez-vous fait avec votre arme, grand-père? Mais je me serais battu pour toi, mon cher enfant. Vous pouvez te tuer. Mais avant, j'aurais combattu afin que tu puisses être fier de quelqu'un de ta race. Allons, grand-père, rentrons chez nous. Monte. Monsieur Madden. J'ai une chose importante à vous dire. Tu es Tiny, tu as agi bravement. J'ai menti. Vous avez défendu Killeni. Je l'ai fait pour vous et contre ce Bert Shipley aussi. Et Tom, c'est Tokala qui l'a tué. Tokala? Oui. Il est chez moi. Monsieur Dixon et son suppléant sont partis le chercher. Je suis navrée si je vous ai causé des embêtements. Des embêtements? En me sauvant la vie? Je t'avais prévenu que je te tuerais si jamais je te revoyais, madame.
t'ai prévenu. Tu l'auras cherché. Donne ton revolver. Squaw. Sale squaw. Dealer. Tu ne t'en caches plus, hein? C'est vrai, à présent j'ai choisi ma race. Monsieur Madden! Extraire cette balle. Écoute, Viola, cette terre, tu peux la garder. Tu ne diras rien. Je suis fier de toi. Et je serai très heureux si tu... C'était mon grand-père. Vos terres ne m'intéressent plus maintenant. Je vais partir et aller vivre parmi les miens. Vous n'avez rien fait pour sauver ma vie. Seule une jeune indienne et un vieillard. Eux seuls ont bien voulu risquer leur vie pour moi. Monsieur Madden, appelez-moi Niola. Il n'y a plus de Madden. Cette part de moi qui est blanche, je la renie. Franck. Monsieur Madden. Oh. Emmène-la chez nous, je vais chercher un médecin. Attendez. J'ai ma petite. Vous aviez une belle terre, pourtant. Des embêtements, Monsieur Dixon? Non, au contraire. Nous avons arrêté Tokala hier soir. Tiny nous avait dit où le trouver. Il aura un procès en règle. Je voulais vous le dire. Merci. Où comptez-vous aller? Quelque part. Pour y faire quoi? Je vais encore essayer. Je vais essayer de trouver un endroit où un Indien puisse être chez lui. Je suerai, j'éprouverai la faim, mais j'ai confiance. Faites-moi savoir où vous serez. Pourquoi?
Une foule de gens souhaite que vous demeuriez ici. On va faire quelque chose à propos de votre terre. Il est important que vous vous sentiez chez vous ici. En tant qu'Indien ? Non, mieux que cela. Tout au moins, je le pense. En tant qu'homme, tout simplement.